Mais Lily Rose, Quoi? regarde ta chambre, comment c'est le bazar! Mais On a c'est pas invité moi! Jérémy! Mais c'est Et pas non, mais moi! regardez-moi ça, les amis! Il y en a par terre, il y en a Et c'est partout! quelqu'un qui est venu dans ma chambre! C'est quelqu'un qui est venu dans la chambre pour Mais mettre oui! le bazar! Non, mais Lily Rose, en ce moment, elle est infernale depuis le début des. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi il y a quelqu'un qui sonne maintenant? Ah, je vous ai pas dit? Quoi? Quoi? Moi je me suis pris un petit McDo. T'as commandé McDo? Et juste pour moi. Mais faut jamais faire ça. Mais si. Mais faut pas faire ça à 3h du matin. Mais il est fou. Mais oui. Mais chez nous en plus. 3h du matin. Attends, mais je me rappelle non, mais de la il est dernière fou. Fois ce qui il, s'est a passé. Co il a commandé un McDo à 3h du matin chez nous. Oui, c'est... Bonsoir monsieur. Bonsoir. Tenez, voici votre commande. Allez, tenez, tenez, allez, allez. Au oui, revoir. Oui. J'ai jamais vu un livreur aussi bizarre. Mais bon, j'ai commandé McDonald's, c'est ça. Bon les amis, pour ceux qui sont pas au courant, il y a quelques jours, on a commandé un McDo à 3h du matin. Et ça a été une catastrophe quand on a ouvert les boîtes. Il y avait plein de trucs bizarres à l'intérieur. Il y a même quelqu'un qui est venu chez nous, quelqu'un de très bizarre. Enfin bref, mais attends, mais faut jamais pas faire ça. La même chose parce que là... Mais tu lui avais pas dit de pas le faire? Bah si, mais bon... Il... Bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est quoi ça? C'est un cafard. Mais pourquoi il y a ça? Ça sent tout. Qu'est-ce qu'on t'a dit Jérémy? Enfin on te l'a peut-être pas dit. Mais il faut pas commander McDo chez nous. Ça n'a rien à voir, c'est chez vous le cafard. Il est 3h du matin. À 3h du matin faut pas faire ça. Et bien sûr c'est chez Attends, vous. Attends, enlève tes trucs. Ah il y en a plein dans le sac. Oh non, c'est pas vrai. Il y a plein de quoi dans le sac? Ah mais il y a pas de cafard. Ah il y a plein de cafards. Ah regarde. Ah dans les boissons regardez. Il y a plein de cafards. Oh, ah c'est quoi ça? Je vais les appeler tout de suite. Non mais ça tombe, c'était dans la chambre de Lily Rose parce que c'est tellement mal rangé. Oh oui, non, ça tombe, il y a plein de cafards. Mais vas-y, appelle-les, appelle-les. Oh non, c'est pas possible. Oh, ça me dégoûte. Les amis là. Ah, mais l'autre il est encore là. Oh, regardez, j'ose à peine les toucher, il y a plein de. Oh, ah oui, mais ils sont pas vivants là. Oh là là. Oui, regardez-moi ça les amis, le sac est plein de cafards. Bon vas-y, on va quand même ouvrir les Happy Meal. Pardon? Lily Rose, vas-y, ouvre-les, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent que c'est pas de chez eux, qu'ils ont pas mis des cafards. Attends, comment ça c'est pas de chez eux? Oui, merci beaucoup. Comment ça c'est pas de chez eux? Mais ça vient de chez eux, il y a les boîtes et tout. Bah en fait apparemment ce serait l'intermédiaire. Donc entre le McDo et la livraison. Ah ok. À mon avis il y a eu un problème, et le livreur il était bizarre ou comment il était? C'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, il avait les cheveux un peu, tu sais, rouges et tout ça. Comment ça il avait les cheveux rouges? Mais ça c'est pas bizarre, c'est... Il avait une tête normale, qu'est-ce qu'il avait le livreur? Ah non attends, mais je sais pas, j'ai pas bien vu, il est vite parti, je crois qu'il avait des gros yeux ou... Tu sais, des gros... Ah là là. Enfin bref, bon les amis, il s'est passé quelque chose. À mon avis, ce qu'on a dans les sacs là, ça vient pas du McDo. C'est le livreur qui veut nous piéger. Non, on n'a pas encore ouvert les boîtes. Il y a quelqu'un qui veut encore une fois nous piéger à cause d'un McDo à 3h du matin. Ah oui, attends, les boîtes. Mais c'est quoi ça? Mais bon. C'est la même chose que la dernière fois. Bah regarde Jérémy, la dernière fois qu'on avait commandé McDo à 3h du matin, c'était ça. On a reçu des yeux. Attends, qui te l'a livré la dernière fois? Bah la dernière fois, c'est un mec bizarre qui nous l'a livré. C'était quelqu'un de chauve avec un masque. Vraiment quelqu'un de d'étrange. Ah, donc c'est pas le même. C'est quoi ça? Ah mais c'est du slime. Oh mais c'est dégoûtant. C'était dedans, mais pourquoi il y a du slime? Bon, écoute, le touche pas. Oh mais regarde, il y a plein de poils. Le touche pas, ça tombe, ça va te rendre malade. Ah bon, écoutez, on va faire comme si qu'on avait rien vu et... Ouais. Chut. Vous avez entendu? C'est ce que j'ai l'air, t'entends? Ça vient de dehors. Ça vient de dehors. T'as entendu? Je sais pas si j'ai fermé en bas. Vite, attends. Ouvre le volet. Je pense que j'ai Dépêche pas, ouvre le volet. Comment ça, t'as oublié de fermer en bas? J'ai oublié de fermer la clé, la porte. T'as pas fermé la porte à clé? Mais non. Mais il faut tout le temps faire ça chez nous. Non, reste ici. S'il y a quelqu'un dans la maison, allez, dépêche-toi, Lily Rose. Ouvre le volet. Allez. Oh, mais elle sait pas ouvrir son volet, elle est vraiment bête. Et nous, on se retrouve avec plein de cafards. Il commence à s'échapper de la porte. Ah, il y a quelqu'un! Il commence à s'échapper. C'est celui qui m'a livré. Purée, mais c'est qui lui? C'est quoi ça? Oh non. Attends, mais t'as raison, il a des grands yeux. Il a des Happy Meal dans les mains. Il a les cheveux rouges, c'est un clown. Regarde. Mais c'est quoi ça encore? Il faut aller voir. Il faut aller voir ce que c'est. Tout seul. Vite, bougez. Vite. Il faut lui rapporter sa commande là. Vas-y. Viens, on lui ramène. Mets tout dans le sac. Attention aux boissons, faut pas qu'elle. Fais gaffe au café. Aïe, aïe, bouge. T'inquiète. Mets tout dans le sac. Allez. Et tu rangeras ta chambre, Lily Rose, parce que maintenant qu'il y a eu des cafards là. Ah, regardez. Il y en a encore un là. Oh là là. Ah, bouge de là. Allez. Bon, les amis, on y va. Et pourquoi ce qu'on Vite, dépêchez-vous. Les amis, regardez.
Qu'est-ce que, mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh oh! Voilà ce qui arrive! Non mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui avez... J'ai appelé le McDonald's, ils m'ont dit que c'était pas eux qui m'ont mis des cafards. C'est vous qui avez mis des cafards. On a appelé le McDo, ils nous ont dit que c'était pas eux qui nous avaient donné ça. Et on les croit parce qu'on est déjà allé plusieurs fois chez eux. Et c'est pas comme ça. À mon avis, vous avez pris ce qu'il y a dans les boîtes et vous les avez remplacés avec des trucs dégoûtants pour nous piéger. Mais bien sûr! Mais vous êtes sérieux? Mais pourquoi vous faites ça en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelle heure est-il d'après vous? Ah oui, il est 3h du matin. Et alors, c'est pas une excuse pour faire ça aux gens? Tenez, encore. Voilà. Ouais, prends les boîtes, voilà. Prends les boîtes. Allez, et monsieur, vous allez sortir de chez nous tout de suite. Allez, ouais, allez, bon appétit. Allez, sortez de chez nous. Sortez de chez nous. Allez, on veut vous voir partir. Allez. Oh là là. Allez, on veut vous voir partir. Bon, ça va, les amis, il part. Vas-y, on va regarder ce qu'il y a dans les deux boîtes là. Ouais, vas-y. Ouvrez les boîtes. On va vite savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vas-y, ouvre. Bon, allez, sortez ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde. C'est quoi? Attends, mais c'est un téléphone. Attends, ça, mais il est un iPhone. Oui. Non. Si, 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 si. Mais qu'est-ce que ça fait là? Attends, ça tombe, c'est un iPhone. Ça tombe, attention, c'est un iPhone. Attends, mais regarde. Faut peut-être pas l'allumer. Ça tombe. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait là? Oula. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh oh. Tenez. Non. Bougez d'ici. Bougez de chez nous, en fait. Mais c'est quoi ça? Oh, ils sont pas pour ça. C'est des bonbons. Tiens. Je vais ailleurs. Bon, attendez. On se concentre sur l'iPhone. Montre-le. Les amis, dans la boîte, il y avait vraiment un iPhone. Ça tombe, faut pas l'allumer, c'est un téléphone hanté. Il va peut-être s'en servir pour nous appeler, pour nous faire des pranks, pour nous faire peur. Moi, j'ai pas confiance. Moi, je veux bien le garder. Regarde, il est trop beau. Non, mais laisse-le là. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui... Mais pourquoi il reste chez nous, lui? Eh oh, bougez d'ici. Tu veux que je sorte? Bougez d'ici, ouais, faut le sortir de la maison. Reste là, okay. Parce que ça tombe, c'est toi qui veux piéger. Bon les amis, nous on va jeter tout ça à la poubelle. Et évidemment, bon bah c'est pas à cause de McDo, hein, comme vous pouvez vous en douter. C'est que vraiment, il y a ce monsieur qui était censé faire la livraison, il a su que ça venait... Non mais à chaque fois ça tombe sur nous quoi, c'est... Non mais à mon avis, il savait que c'était pour nous. Du coup, allez bouge. Allez, au revoir. Bouge-le d'ici. Il savait que ça allait venir chez nous. Il a voulu nous piéger avec ses cafards. Bon, on fait quoi là du coup? Je sais pas moi. Bon, les amis, là c'est bon, Jérémy l'a viré. Je sais pas quoi faire de plus. Franchement, on va éviter de commander tout type de nourriture. Franchement, là c'est pas que McDo et on fait plus de commandes. À partir de maintenant, on va directement au restaurant à chaque fois. On fait plus de commandes. Bah, le téléphone, on l'a laissé là parce qu'il y a hors de question qu'on l'allume. De toute façon, toutes ces affaires là, on va les mettre dans un sac poubelle, on va les amener chez McDo demain. Comme ça ils pourront faire une enquête. Bon. Mange pas ça, tu manges, il mange des bonbons. Sérieux. Attends, il est déjà de retour. Il est là. Bon, vas-y. Les amis, on va le virer tout de suite. Ouais. On espère que cette vidéo vous a plu. Oula. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et à oui, ça va pas, il a mangé. Attention. Allez voir une autre vidéo qui vous intéresse en cliquant sur l'écran. À la prochaine. Bye bye. Ciao. Bye bye. À bientôt.